La particularité dernière, c'est qu'on est en zone inondable. Tout le village est en temps de crue, on est complètement isolé du reste du département. On a déjà eu 60 cm d'eau dans la maison. On est arrivé, on nous a dit attention, vous êtes dans une zone inondable, est-ce que ça vous dérange ou pas? On a dit bah effectivement, il y a très longtemps que c'était pas arrivé, donc on a dit non, on pense qu'on sera pas embêté, enfin trop embêté avec ça, puisqu'il y a aussi le canal qui a été créé et qui apparemment joue beaucoup. Oui, alors toute mon électricité, moi, au rez-de-chaussée, les prises, elles sont toutes à 60 cm, 70 cm de haut. J'ai pas de prise au sol. Au début, c'est vrai que je me suis demandé pourquoi. J'ai dit, c'est étrange, comment il a fait? Pourquoi ils ont fait ça, quoi? Et finalement, en fait, c'est prévu, c'est pour les crues, quoi. Il y a des numéros de maisons, en fait. Les anciens savent lesquels vont inonder en premier, lesquels faut aller voir si jamais ça monte. Et puis faire le tour si jamais, quoi. Elle viendra à monter plus, quoi. Les jeunes qui viennent habiter à Asnières, généralement, la première question qu'ils font avant d'acheter, ils viennent à la mairie et ils se demandent comment ça se passe les crues. Est-ce qu'on est inondé tous les ans? Est-ce que les maisons sont inondées, etc. Ce que je réponds toujours d'ailleurs, c'est que on habite à Asnières. La dernière crue a eu lieu telle date. Je ne sais pas si cet hiver, il y aura une crue ou pas. Il y a moins de crues qu'avant, mais je ne peux pas garantir qu'il n'y aura pas de crue ou qu'il y aura une crue. Il y avait une annonce à Asnières. Ma compagne a vu que c'était zone inondable. Du coup, elle me dit, mais t'es cinglé, on ne va pas aller habiter en zone inondable. Moi, étant originaire du village à côté, je lui dis, écoute, je n'ai jamais entendu parler de catastrophe. Il y a aussi beaucoup moins de crues qu'avant. Voilà, on va visiter la maison, ça coûte rien. Donc on est venu, puis on a eu le coup de cœur pour la maison, et puis voilà, on s'est dit on verra bien ce qui se passera. Moi c'est pareil, je suis originaire de Feillant, donc les crues on connaît, on a déjà fait de la barque, j'ai des parents qui étaient maraîchers, donc on a déjà fait de la barque sur la Saône quand elle débordait. Ceux qui sont arrivés dernièrement, bon ben, ils ont vécu la crue de 2018, bon ben... je dirais même qu'à la rigueur, ça les a un peu réconfortés d'avoir une peur. Bon, c'était une petite crue, mais ça les a réconfortés parce qu'ils se sont aperçus d'une chose, c'est que réellement, leur maison n'est pas inondable. Voilà, la plus grosse, on a eu quand même trois crues de suite. Décembre 81, décembre 82 et puis juin 83. Trois grosses crues à peu près au même niveau, alors des grosses. Voilà, donc ça, au mois de décembre, quand il faut passer en barque, les jours sont pas longs, il fait tout le temps nuit, il fait pas chaud, des fois ça pleut. Après, quand c'est l'été, comme 2001, c'était au mois de mars, ça faisait beau. Mais en 83, c'était quand même au mois de juin, c'était quand même pas... Il y avait un grand soleil, au maximum de la Saône, il y a toujours un grand soleil. De toute façon, si ça arrête pas de pleuvoir, elle monte toujours. Pour qu'elle baisse, il faut que ça arrête de pleuvoir. Je suis arrivée au mois d'août 2002, et en fin d'année, la crue est arrivée. Et puis j'étais toute seule avec ma fille, et puis je me suis dit, oulala, mais c'est vrai que l'eau arrive, il y en a un petit peu partout, c'est impressionnant quand même. Et au début ça fait un petit peu peur, puisque moi j'avais ramené, la Saône elle monte, on la voit monter, j'avais ramené mes lapins, mes poules. On met les radiateurs plus haut, au niveau électricité, l'enduit extérieur qu'on met à l'intérieur, pour pouvoir nettoyer plus facilement.
On est construit sur du sable, donc là, finalement, la maison, si on fait un bon courant d'air pendant plusieurs jours, elle sèche assez vite. Quand ça commence à être dramatique, on appelle monsieur le maire pour rehausser tout le matériel et voilà, déménager. On met des parpaings sous les meubles, c'est toute une aventure. On soulève les meubles, on met les parpaings. Alors, un, deux, bon, faut voir. À l'étage supérieur, on a aménagé une petite cuisine en cas de crue importante et où on peut vivre en haut. Puisqu'on a un escalier à l'extérieur, on pourrait amarrer le bateau. Auparavant, on a laissé nos voitures à Manzia. Avant que la route soit coupée, la mairie nous signale qu'on doit laisser un véhicule en dehors de d'Anières, sur la route de Manzia. Donc on attend les consignes de monsieur le maire, voilà. Des conseillers, et puis ben voilà, on suit l'organisation. Hein. À telle heure vous pouvez partir, à telle heure vous pouvez revenir. Donc on va en Manzia, oui. Donc généralement, partant de crue, bon, il y a un voyage le matin aux environs de 7h30 par là. Hein. Ça dépend les saisons. Donc pour emmener les gens à Manzia, pour qu'ils puissent aller au travail. Donc on fait un ou deux allers-retours, suivant le nombre de personnes, vu qu'on est limité à 14 personnes dans le bateau. Après, sur le coup des 10h, 10h30, on repart sur Manzia. Là, entre-temps, bon, ben, le maire a fait le tour des habitants pour voir s'il faut du pain, de ceci et cela. Donc il y a quelques personnes qui viennent aussi pour faire leurs courses. Le maire récupère généralement le pain pour les gens et puis le courrier. On revient sur le coup des midi, distribution du pain et du courrier. Et puis après, bon, l'après-midi, on reste tranquille et on repart le soir vers 17h sur Manzia pour récupérer les personnes pour revenir dormir sur Anières. On a plusieurs routes, mais qui sont au niveau de prairie. Après, on a une route qui est réélevée, mais quand ça passe sur la digue, ben ça y est, la route, elle est coupée. La bétaillère, on la prend, mais quand l'eau n'est pas très haute sur la route. Voilà, quand on voit encore un peu la route. Voilà, sur la digue, voilà. Mais après, la bétaillère, on arrête et c'est la navette de la mairie. Les contraintes, c'est les routes barrées. Moi, j'étais agriculteur, il fallait charrier le lait en bateau. Il fallait faire 3 km en bateau pour emmener le lait. Les champs tout inondés. C'est ça, les contraintes. Les jours de vent, qu'on ne peut pas passer, c'est arrivé qu'à rester deux jours sans pouvoir traverser parce qu'il y avait trop de vent. Alors, il faut avoir des provisions. Quand on traverse toute la prairie qui est inondée, il y a des barbelés, il y a les piquets de tout ce qui est dans la prairie. Et puis, c'est vrai qu'il faut bien connaître le trajet et puis, faut faire attention quand même. Nos pilotes, ils se basent aussi un peu sur tous les pylônes. Les pylônes donnent un petit peu aussi la direction à suivre. Et puis, bon, on a les anciens qui connaissent. Hein, donc, c'est souvent qu'il y a un ancien qui est devant nous avec sa barque personnelle. Et puis, il monte avec nous et puis on suit. C'est pourquoi il y en a beaucoup qui prennent leurs valises et qui partent pendant la crue. Voilà. Si vous voulez partir, vous avez une heure pour partir. C'est maintenant. Sinon, après, c'est trop tard. Vous restez là. Enfin, vous restez là. Enfin, vous êtes coincé ici. Après, c'est vrai qu'il y a la navette. Mais bon, la navette en bateau, c'est pas... Enfin, avec des gamins, c'est impossible d'aller tous les jours, de les emmener à l'école où il y a du vent. Il y a du vent, tu prends de l'eau, c'est trop dangereux pour les petits. Si c'était hors de question que la petite prenne la navette, c'est quand même pas hyper sécure. Enfin, voilà, on avait une solution. Donc voilà, moi je l'ai pris une fois. Ouais. J'ai fait un aller-retour le dernier jour. Les pompiers viennent, ils prennent. Tous les renseignements voulus, c'est-à-dire le nombre de personnes, les personnes les plus âgées, les nombres de gamins et tout, et ils prévoient donc les équipements nécessaires pour plus les animaux. Ils demandent le nombre de bêtes qu'il y a sur Anières. S'il y a une très grosse crue, la préfecture peut nous obliger à évacuer. Et dans le PPRI, de toute façon, c'est marqué. Donc certaines personnes quittent
Asnières, parce que bon, question horaire de travail ou bien des personnes qui ont peur, ça arrive. Et puis après, quand elle commence à plus monter beaucoup, ça fait beaucoup moins peur. Du coup, on se retrouve un petit peu tous ensemble à soigner, voir si tout le monde va bien. Bah, il faut dire quand même, voilà, c'est qu'on s'est retrouvés à 4-5. On a vécu 4 jours, on leur a envoyé des photos, enfin on a fait des barbecues au mois de janvier, hein, ensemble, enfin c'était sympa quoi. On a vécu quelque chose, ça a créé des liens quelque part. Puis une autre année, oui, où il y avait une crue qui était aussi, je ne me rappelle plus en quelle année par contre, hein, où c'était marrant, parce que c'était au mois de juin celle-ci, et on cueillait les cerises avec le bateau. Il n'empêche qu'il y a quand même une angoisse de savoir entouré d'eau et de ne pas pouvoir partir de l'île si on en a besoin. La première fois, c'est un peu impressionnant quand même. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'eau, il peut y avoir du vent, donc ça peut bouger. Il ne fait pas chaud, il fait froid. Mais ce n'est pas l'inondation catastrophique qui arrive comme ça et qui vous ensevelit tout. Non, rien à voir. Même quand elle monte vite, on a le temps de faire les choses. Ce n'est pas comme en montagne, ce n'est pas le ruisseau qui déborde subitement. Nous, on a quelques jours, on suit l'évolution. Et on fait en fonction de la hauteur de l'eau, quoi. Mais ça n'arrive pas d'un seul coup, ça peut mettre une semaine, 15 jours avant qu'on arrive à en avoir dans la maison, on connaît les côtes. On est quand même bien guidé par la mairie qui nous dit les côtes prévisibles pour savoir de combien on doit monter les meubles. Ben, de toute façon, bon, on regarde sur Vigicru et puis bon, on commence à avoir l'habitude de voir la Saône, on sait si elle va monter ou pas. On a une digue au bord du Saône, donc on surveille déjà voir si des kilos vont passer. On regarde les côtes à Besançon, enfin puis dans la Haute-Saône aussi, on regarde les côtes, et ben, ça y est, ce coup-là, on y a droit, quoi. C'est ça. Pour une anecdote, j'ai les voisins à côté qui étaient fermiers. Ils demandaient la pièce qui était un peu plus haute pour mettre leurs animaux, les vaches et puis quelques vaches qu'ils avaient pour les surmonter un petit peu, quoi. Parce qu'on craint presque plus les petites crues, parce qu'on a eu quand même une série de petites crues au printemps. Une grosse crue, on n'y peut rien. C'est vrai qu'une grosse crue, bah, ça pleut tous les jours. Si c'est l'hiver, c'est une crue l'hiver, donc même sur les céréales, c'est pas forcément foutu. Mais si ça l'été, c'est tout foutu de toute façon. On craint plus les crues moyennes qui viennent souvent, que les grosses qui viennent une fois tous les 30 ans, quoi. Tous les 30 ans, c'est supportable. Enfin, sur le coup, non, mais enfin, bon, c'est pas pareil, quoi. C'est comme ça, donc, bah, si l'eau doit monter, elle monte, et puis, si je voulais pas que ça se passe, bah, j'irai habiter ailleurs, quoi. Non, mais dans un ciel, il n'y avait pas le même mode de vie, tout le monde était... Tout le monde avait 2-3 vaches, tout le monde... C'était différent. L'hiver, ils allaient à la pêche, ils allaient à la chasse aux canards, c'était... ils vivaient en autarcie, c'était tout à fait différent. Mais ils avaient beaucoup plus de crues parce que de toute façon, il n'y avait pas de digue. Donc déjà, il y a eu une période dans les années 30, ils sont restés quand même 100 jours à passer en barque, hein, sans passer par la route. Hein. Mais bon, ils vivaient en autarcie, c'était comme ça, quoi. C'est différent, quoi. Le changement climatique, on y pense parce qu'on voit beaucoup de choses à la télé aujourd'hui, mais nous, c'est vrai que même mes parents, ils ont dû connaître des crues en habitant à côté, qui étaient des fois un petit peu... plus extraordinaire que d'autres, donc maintenant je suis pas sûr que ça peut peut-être arriver plus vite que prévu aujourd'hui, mais je sais pas si ça peut monter beaucoup plus que c'est déjà monté auparavant. Oui, c'est vrai que dès qu'il pleut souvent, la Saône elle monte beaucoup plus vite qu'avant. Ici on a quand même une qualité de vie, enfin pour moi, que je trouve formidable, du fait d'être au milieu de la prairie, de nulle part, on peut aller se promener, enfin on est... Ben voilà, si en 10 ans, comme Franck le dit, il y a une crue, ben il y a une crue, puis on vivra avec, quoi. Ça fait une bonne occasion que tout le monde se regroupe. Les liens se resserrent. Et ça, c'est très bien. Il faudrait une crue plus souvent, j'irais même. On va pas détourner le fleuve pour être tranquille, parce que ce serait repousser la solution ailleurs, le problème ailleurs.